Mon nom est Domenico Masciotra. Je suis un consultant en éducation. Je travaille particulièrement dans l'éducation, la formation des adultes depuis une dizaine d'années. Et j'ai aussi fait la formation initiale des enseignants de tous les niveaux scolaires depuis 1990 environ. Pour moi, l'apprentissage tout au long de la vie, ça concerne donc tout ce qu'on fait dans la vie réelle au quotidien. Et on apprend toujours en faisant la cuisine, en faisant son ménage, en allant au travail, à l'intérieur du travail lui-même. On apprend partout. Et partout, on a donc à s'adapter à des changements. Et ce sont ces changements-là qui nous forcent d'ailleurs à nous engager dans un processus d'apprentissage. Les moyens pour développer une compétence, et qu'il s'agisse de cette compétence-là ou de toute autre compétence, c'est par l'expérience active des choses. Si je veux développer des compétences en cuisinant, par exemple, bien, je dois faire la cuisine. Je dois aussi, bien sûr, m'inspirer de documents théoriques ou suivre une formation, mais de façon indispensable, je dois nécessairement faire quelque chose qui relève de mon expérience de l'univers dans lequel je veux apprendre. Bon, il y a deux choses, hein. Il y a la compétence elle-même, donc ça s'évalue plutôt au terme d'une formation ou d'un apprentissage, et il y a le processus. Bon, pour évaluer le processus, on rentre dans une logique de formation pédagogique, c'est-à-dire qu'on cherche à voir la personne comment elle évolue à travers son processus. Ce qu'elle fait, et ce faire doit nécessairement s'améliorer, on peut l'observer et l'évaluer. Ce qu'elle apprend en termes de connaissances, et là aussi, on peut évaluer ses connaissances au fur et à mesure qu'elle les construit. Et il y a aussi ses attitudes qui sont très importantes, et là aussi, on peut voir si elle gagne en confiance, si elle gagne en estime de soi, etc. Et bien d'autres choses, hein. On peut voir aussi comment elle apprend à maîtriser les ressources physiques, matérielles, de computer, etc., qu'elle utilise. Et enfin, aussi, comment elle apprend à travailler avec les autres, qu'il s'agisse d'une session d'apprentissage scolaire ou dans le milieu de travail, comment elle travaille avec les autres, ça aussi, ça peut s'évaluer. Le monde change, c'est une évidence aujourd'hui. Quand on regarde au niveau de la technologie, elle change continuellement. Vous vous achetez un nouveau four à micro-ondes et déjà, vous devez vous adapter, suivre les instructions, ce n'est pas toujours évident. Vous achetez un téléphone intelligent et puis encore là, l'utiliser, ce n'est pas toujours évident. Vous avez un nouvel emploi et qui a des nouvelles exigences. Et là encore, il y a des ajustements à faire. Donc, il y a des changements que vous n'aviez pas prévus et qui vont se révéler dans cet emploi-là. Il y a le fait que la société qu'on dit de plus en plus comme étant une société du savoir, mais ces savoirs-là, ils se multiplient sans cesse, ils se distribuent, comment je dirais, ils se diversifient sans cesse. Et cette diversification-là nous force d'ailleurs à choisir lesquels sont importants pour notre vie, mais il reste quand même qu'il faut se les approprier, ces savoirs-là. Il y a ensuite le travail lui-même. Lorsqu'on a un travail, on doit souvent se perfectionner dans ce travail-là. On doit s'engager dans un processus de perfectionnement à cause des changements qui s'opèrent à l'intérieur de ce travail-là. Et bref, il y a la vie quotidienne où ça change aussi continuellement. Il y a nos relations avec nos amis qui changent, il y a nos relations avec de couple, les relations avec les enfants qui grandissent. La réalité, aujourd'hui, est une réalité de changement.